אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה. תשתחררו מאלפיתה של נסראללה. לטובתכם. Au moment où le premier ministre Benjamin Netanyahou renouvelle sa détermination à anéantir le Hezbollah au Liban, les hostilités s'intensifient de part et d'autre de la frontière. Des centaines de roquettes du Hezbollah ont visé le nord d'Israël alors que l'État hébreu a de nouveau frappé la banlieue sud de Beyrouth. La mort d'un commandant du Hezbollah a été confirmée et le bilan des victimes continue de grimper. Plus de 550 personnes ont été tuées et près de 2000 autres blessés au Liban depuis le début de la semaine. J'en ai parlé tout à l'heure avec Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes du Moyen-Orient. Mais d'abord, un aperçu de l'inquiétude qui régnait aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations unies. Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon. We should all be alarmed by the escalation. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. Bonsoir, Agnès Levallois. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Êtes-vous d'accord avec ceux qui sont réunis aux Nations unies cette semaine et évidemment qui écoutent Antonio Guterres leur dire que le Liban est au bord du gouffre? Vous partagez cet avis? Oui, bien sûr, puisqu'on voit que la violence des bombardements qui touchent le sud Liban et jusqu'à Beyrouth, puisqu'il y a eu de nombreux bombardements aussi sur la capitale, laisse craindre une situation qui est déjà très préoccupante, dramatique pour la population et qui risque de s'aggraver encore, puisqu'on a le sentiment que l'armée israélienne est vraiment partie pour continuer les attaques qui ont commencé maintenant depuis une semaine. En fait, Netanyahou ne cesse de répéter qu'il veut éradiquer le Hezbollah, comme il l'affirmait pour le Hamas à Gaza. Donc, certains craignent que le Liban devienne un nouveau Gaza. Mais quand on voit la violence des bombardements, effectivement, on peut pas ne pas faire le parallèle avec la situation à Gaza. On voit que pratiquement les mêmes termes sont utilisés par Netanyahou lorsqu'il dit qu'il veut éradiquer le Hamas et que maintenant il veut éradiquer le Hezbollah. On voit bien qu'il y a cette même logique, comme s'il y avait une espèce de vent, passez-moi l'expression, de folie qui s'est emparée de Netanyahou et qui se sent tout puissant, puisqu'effectivement personne ne l'arrête dans les opérations qu'il a mené à Gaza et que personne ne l'arrête non plus pour l'instant au Liban. Et donc un sentiment finalement de vouloir continuer jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout? Parce qu'on voit bien qu'il n'a pas pu éliminer le Hamas et qu'il ne pourra pas éliminer le Hezbollah. Mais il y a ce sentiment, je crois, un peu de toute puissance en ce moment de la part de l'armée israélienne et de Netanyahou et qui le conduit à aller très vite avec l'idée aussi qu'il va y avoir des élections aux États-Unis et donc il essaye d'engranger le plus de gains possible, disant que la période n'est peut-être pas très favorable pour des initiatives diplomatiques et que donc il a intérêt à gagner du temps, à continuer en attendant les résultats des élections aux États-Unis. Oui, et justement, les élections aux États-Unis, que viennent faire ces élections dans la détermination de Netanyahou de poursuivre jusqu'au bout, comme vous le disiez à l'instant? Parce qu'il espère que Trump soit élu et qu'il puisse aller encore plus loin. C'est quoi la dynamique?
Oui, on voit bien que quand même les tensions qu'il y a eu avec Biden énervent Netanyahou, même si au fond, quand même, Biden a toujours soutenu Netanyahou et qu'il avait beau de temps en temps exprimer un certain mécontentement face au manque d'allant de la part de Netanyahou à négocier, mais finalement, il n'a pris aucune mesure sérieuse contre lui. Mais il y a le sentiment pour Netanyahou que les choses seront beaucoup plus faciles avec un Trump si celui-ci gagne les élections, parce que Trump déjà a fait beaucoup de cadeaux à Israël lors de son premier mandat. Donc il doit avoir le sentiment qu'il pourra continuer à faire absolument ce qu'il veut, ce que veut sa coalition politique d'extrême droite, pour une fois la question de Gaza réglée, une fois la question de Hezbollah réglée. L'objectif de Netanyahou, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est bien plus important que tout le reste. En même temps, vous l'avez dit, Netanyahou n'a pas eu raison du Hamas encore. Le Hezbollah est présumé beaucoup plus fort. Comment penser qu'il pourra venir à bout du Hezbollah? Et au fond, ils utilisent les mêmes arguments à l'endroit du peuple libanais en disant, écoutez, le Hezbollah se sert de vous comme bouclier humain, d'où le bilan dramatique déjà, juste en quelques heures, 90 femmes, 35 enfants, et c'est pas terminé. Alors, que faire de cet argument-là? Écoutez, cet argument, on voit bien que de toute façon, il n'a pas fonctionné jusque-là. Aussi bien les Gazaouis que les Libanais ne rentrent pas dans cette logique telle que défendue par Netanyahou. Tout ça, c'est vraiment de la rhétorique pour que Netanyahou puisse justifier la stratégie qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc, on est vraiment dans une fuite en avant, me semble-t-il, de ce gouvernement et avec les membres d'extrême droite qui n'arrêtent pas de pousser Netanyahou à aller encore plus loin, plus vite. Et avec un constat que l'on peut faire, c'est que Netanyahou a complètement laissé tomber la question des otages à Gaza. Cette question n'est pas réglée, c'est pas fini. Et il se détourne maintenant par le Liban, vers le Liban. Avec, c'est vrai qu'il y a une pression forte de la part d'une partie de la population israélienne, puisque toutes les familles qui ont quitté le nord d'Israël depuis maintenant un an voudraient rentrer chez elles, et que tant qu'il y a cette menace que représente le Hezbollah qui est là, et ces familles ne peuvent pas rentrer. Donc Netanyahou subit cette pression, évidemment, mais je crois surtout qu'il profite d'un espèce de sentiment de toute puissance parce que personne n'exerce la moindre pression sur lui pour qu'il s'arrête. Qu'en est-il du peuple libanais? Est-il instrumentalisé par le Hezbollah et soutient-il le Hezbollah? Quand même, c'est une organisation terroriste aux yeux de plusieurs pays, dont le nôtre. Ils sont élus au Parlement et ils contrôlent une partie du pays. Alors, qu'en est-il du peuple libanais face au Hezbollah? Alors, il y a une partie des Libanais qui soutiennent le Hezbollah. Il a une base solide. Vous l'avez dit, il a des représentants au Parlement, donc des gens qui votent pour lui. Mais il y a toute une partie des Libanais qui sont furieux du soutien qui a été apporté par le Hezbollah au Hamas, parce que justement, ça a provoqué la réaction d'Israël et que maintenant, ça a entraîné le Liban dans une guerre. Et les Libanais ont toujours en mémoire la guerre de 2006 qui a duré 33 jours et qui a été une victoire parce que le Hezbollah a fait partir l'armée israélienne du territoire, mais que les Israéliens ont quand même détruit une partie du pays. Et donc il y a une partie aujourd'hui des Libanais qui disent on n'a rien à faire de cette guerre, le Hamas c'est pas notre histoire, et donc on n'a pas à payer ce prix extrêmement élevé du coup de la riposte israélienne sur le Liban. Donc cette guerre aussi entre Israël et le Hezbollah va avoir des conséquences très graves sur une société qui est déjà elle-même extrêmement fragilisée par la crise, fragmentée, avec un repli communautaire de plus en plus grand de la part de chacun dans sa communauté. Et donc, ça va avoir des conséquences aussi, à mon avis, dramatiques sur cette société libanaise qui est déjà en très, très mauvais état. Et que penser du rôle éventuel de l'Iran qui soutient bien sûr le Hezbollah, qui commandite le Hezbollah, qui commandite aussi le Hamas? On rapporte que le président iranien sur CNN, dans une entrevue qui sera diffusée dimanche, dit personne n'a intérêt à une guerre générale. Et donc, est-ce que ça veut dire que l'Iran va se retenir d'une intervention importante?
L'Iran s'est déjà beaucoup retenu. N'oubliez pas que l'Iran n'a pas réagi après l'assassinat sur son territoire, dans sa capitale, du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une riposte forte de l'Iran qui a été attaqué sur son territoire. Et donc, c'était vraiment une baffe, si je puis dire, pour le gouvernement iranien qui n'a pas réagi. Et aujourd'hui, l'Iran ne veut absolument pas rentrer dans cette guerre vis-à-vis d'Israël, parce que ce que les Iraniens savent très bien, c'est que derrière Israël, il y a les Américains, et que les Américains les ont déjà mis en garde contre le risque d'une intervention de leur part aux côtés du Hezbollah de façon plus directe. Et donc l'Iran ne veut absolument pas prendre le risque de rentrer en confrontation directe avec Israël, donc les Américains, alors qu'ils sont aujourd'hui dans une logique plutôt de rapprochement avec Washington. Il y a une vraie volonté de la part du nouveau président iranien de tenter de renouer le dialogue avec Washington, surtout s'il y a le spectre du risque du retour de Donald Trump. Donc les Iraniens sont d'une retenue extrême, mais comme le Hezbollah fait preuve d'une certaine retenue, parce qu'il sait très bien que s'il va trop loin dans la guerre contre Israël, Israël va détruire le Liban et qu'une partie de la population libanaise rendra le Hezbollah responsable et que ça tuera toutes les chances du Hezbollah de continuer à être un acteur aussi politique au Liban. Donc la marge de manœuvre du Hezbollah et de l'Iran est extrêmement limitée. Bon, mais là-dessus, Agnès Levallois, ça va nous faire réfléchir sur ce qu'on doit appréhender pour la suite des événements. Merci beaucoup. Vous êtes toujours absolument passionnante. Merci. À bientôt.